Il y a des réalisateurs qui sont passionnés par les destins d'exception, les destins qui mêlent le mélodrame pur et surtout qui projettent l'humain dans une dimension dramatique et historique qui le dépasse mais qui l'affronte. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui est passionné par la vie et surtout par l'homme dans son aspect le plus sensible. Tom Hooper est un réalisateur anglais, ça change enfin un peu de nationalité chez les hommes dans cette émission, qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 24 ans. À la base auteur pour la télévision, il s'attachera très rapidement pour la production audiovisuelle cinématographique pour livrer des films qui parlent du quotidien, qui parlent avant tout de l'homme dans son intimité la plus profonde et la plus forte, celle en lien donc avec l'histoire. L'histoire avec un grand H, comme avec un petit d'ailleurs, car c'est souvent là que Tom Hooper décide de mettre en scène ses protagonistes dans un monde tiraillé entre l'intime et le populaire. Souvent attaché à des aventures qui posent un homme face à un destin exceptionnel, Hooper va alors mettre en perspective notre combat contre la banalité. Une banalité qui prend des formes différentes, qui peut devenir le symbole d'un passé refoulé, l'idée d'un combat de David contre Goliath, le défi d'un homme qui doit se dépasser pour éviter de tomber dans l'ombre de sa famille, ou le combat d'un homme dans un monde qui le refuse. Bref, Hooper est ainsi passionné par l'idée d'un combat contre le quotidien, d'un combat contre l'enfermement des consciences, dans une banalité qui leur imposera un diktat moral. C'est ainsi que l'on comprend ce qui amène Hooper à choisir ses productions avec minutie, ne cherchant pas à raconter une histoire perpétuelle, mais plutôt cherchant à raconter que l'histoire est vouée à se répéter. Elle est vouée à se répéter si on ne cherche pas à la combattre en ne s'avant jamais vaincu, et en acceptant de changer pour aller contre cela. Au fil de ces quelques longs métrages, on comprend ainsi que le réalisme d'une situation et de la narration d'un personnage pour Hooper doit être le centre d'une évolution dramatique qui le pousse à devenir extraordinaire pour se battre contre un monde. Un monde qui, bien au-delà de vouloir simplement l'enfermer dans une pensée, n'accepte pas que celui-ci puisse changer, donnant ainsi lieu à des rencontres et des passions qui amènent le spectateur à se passionner justement pour les récits de ces héros du quotidien. Héros du quotidien menés par la simple idée que, bien au-delà de simplement regarder la vie de manière différente, il faut accepter de prendre du recul sur ses principes moraux pour avancer. C'est ainsi que Hooper construit généralement ses récits, sur une rencontre qui va changer la vie de ses héros, comme c'est souvent le cas dans la vie réelle. Presque à chaque fois, Hooper met en scène des protagonistes poussés par des acolytes à se dépasser, pour vaincre leur peur, leur malheur, ou même plus simplement, vaincre l'adversité qui les oblige à se rabaisser constamment. Presque toujours teintés d'une forme de comédie humaine, ces longs métrages posent ainsi des bases réflexives et métaphoriques qui remettent en cause la position du spectateur au cœur de ce genre de récit, celui-ci ne faisant plus simplement que s'identifier à ses héros, mais avançant avec ses personnages, comme dans un même mouvement de compréhension. Entrer dans la filmographie de Tom Hooper, c'est tenter de se battre contre le conformisme et l'enfermement sociétal, c'est accepter de regarder le monde de face et d'avancer vers lui. Son cinéma est un cinéma humaniste qui touche à tout le monde. Peu importe le sujet, la parabole humaine ou métaphorique de ses films, et c'est en cela que Hooper est un auteur important qui nous comprend.